bien salut les amis, c'est Carmen, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est Noël. Mais attendez, mais Noël est déjà passé quand cette vidéo sort. Mais elle sort quand, attendez? Mais oui, à force de tourner des vidéos pour la semaine de Noël, alors que la semaine de Noël a déjà commencé, en plus je m'embrouille. Eh bien oui, Noël c'est aujourd'hui. Le réveillon c'était hier et aujourd'hui c'est Noël. Joyeux Noël à vous les amis! Et donc on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur un jeu que vous m'avez demandé. Dans l'onglet communauté, j'avais dit quel jeu vous aimeriez que je joue. Et vous avez été énormément à me dire depuis très longtemps de jouer à Slam Rancher. C'est comme ça qu'on dit Slam Rancher, j'en sais rien. Mais bon bref, ça fait une éternité, ça fait des années qu'on me le demande. Là en ce moment il y a un mec sur les lives Twitch qui s'appelle Mascou qui me le demande tout le temps. Mais avant lui c'était Alain de Ryan et d'autres aussi, et plein d'autres. Donc bon les amis, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas trop à quoi ressemble ce jeu, j'ai vu des images. Mais je sais pas trop, enfin si je sais à quoi il ressemble mais je sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc bon, on va voir ça ensemble, c'est une petite découverte. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, on y va. C'est marrant parce que quand j'ai démarré le jeu, il était en qualité horrible, j'ai eu très peur. Genre c'était comme ça. Attendez, vas-y. Quoi? Attendez, quoi? J'ai mis au minimum et en fait c'est pas moche. Bon bref, en fait il était pas en ça et... Enfin il était en une autre résolution qui était toute moche. Et je me suis dit, ah je vais pas jouer à ce jeu s'il est scellé. Mais pourquoi il y a des problèmes de police partout en fait? Mais je vais pas charger une partie, oui, nouvelle partie, vas-y. Alors... Enfin c'est juste une icône de sauvegarde donc on s'en fout. Kirbendo, aventure, vas-y, je sais pas si t'as qui il faut que je fasse, j'en sais rien. Un slimologue fou a un jour proposé de créer des slimes en forme de cube, n'importe quoi. Ah ouais, pourquoi ce serait n'importe quoi? Je suis sûr que ça existe dans un jeu des slimes en forme de cube. Pourquoi ça cherche pendant si longtemps, mais c'est optimisé avec les fesses, c'est FNAF ce jeu ou quoi? À 1000 années-lumière de la Terre, sur une planète nommée Far Far West, c'est-à-dire très à l'ouest, Béatrix Lebeau entame sa première journée en tant qu'éleveuse de slime. Béatrix Lebeau, on dirait un nom de sorcière de Harry Potter. Eh bien sûr, faut passer en QWERTY. Les développeurs de jeux. Quand votre jeu il sort et qu'il est intégralement en anglais, ok on s'en fout, vous faites comme vous voulez. Mais quand on peut mettre la langue du jeu en français, et surtout en français de France, comme c'est le cas dans FNAF, parce qu'on peut mettre en français de France et en français canadien, faites en sorte automatiquement que les touches passent en AZERTY. Il n'y a personne en France qui a un clavier QWERTY. Personne. Si, il y a trois pecnos là qui vont en parler. Moi j'en avais un quand je suis arrivé en France, parce que j'avais celui de Thaïlande, mais il y a quasiment personne qui en a un. Il y a des gens, il y a des francophones qui ont des claviers QWERTY, mais en France, la norme, c'est le clavier AZERTY ou le BEPO, mais personne joue aux jeux vidéo avec un BEPO. Bon, alors... Wow, j'aspire des carottes. Et qu'est-ce que j'en fais avec des carottes? Wouh. Ah mais... Wow. J'ai attrapé un slime. Ok, mais attendez. Votre aspi-sac peut aspirer des réservoirs... Des éléments et les stocker dans le réservoir. Et donc... Qu'est-ce que j'en fais après? Je les jette. Mais non, mais on va pas jeter la carotte! Pourquoi il y a une barre en bas qui se... Non, elle se remplit pas, ok. Si j'appuie sur deux après... Non, reviens ici. Mais ouais, je dois faire quoi? Ah, j'ai un petit enclos. En fait, c'est un zoo. C'est un zoo de slime. Ouh. Et viens. Est-ce qu'il y a des slimes rares? Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des types de slime? Je n'en sais rien. Bon, en tous les cas, on va aller là où l'objectif nous le dit. Mais attendez, d'abord, je récupère des... Mais c'est pas un slime, ça! C'est une plorte. C'est quoi une plorte? Ah, on peut utiliser, ouais, ok, très bien. Mais il y a d'autres slimes ou pas, les amis? Une poule! Une poule-poule! Parce que ça aurait pu être autre chose qu'une poule-poule. Qu'est-ce que j'ai récupéré, là? Parce que j'ai plus de place, mais je continue de récupérer des trucs. Bon, allez, allons dans l'enclos. Là. Oh! On peut leur donner une plorte rose? Je sais pas à quoi ça sert. Et une poule-poule? Et la poule, elle reste bloquée dans l'enclos aussi? Mais quoi? Ils ont mangé la poule! C'est pas très gentil, ça. Et on peut leur donner aussi des carottes? Mais ils sont véganes, les miens! Ils mangent pas de poule, voyons! Attendez, mais ça sert à quoi, ces machins? En tout cas, c'est mignon. C'est ça que vous vouliez que je dise, les amis? Ok, c'est mignon. Ils sont bizarres, les slimes. On court trop vite! Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là? Le marché du plant vous donne des néobucks... des V-Bucks! Non, des Neo-Bucks. En échange de plortes durement acquis. C'était dur d'en avoir 4 là, très dur. Hein. Ouais. Et donc?
tirer une plorte. Oui, gagner de l'argent. Oui, et donc? J'ai gagné de l'argent, là? Ah oui, j'en ai 294. Donc je peux acheter des trucs, là? Ah non, ça, c'est le prix de vente, non? D'accord, je pense. C'est quoi, ça? Le marché du plort. D'accord, d'accord. Et maintenant, que fais-je? Oui, on a appris les bases. Ça va, vous êtes heureux? Bah moi, non! Si, ça va. Mais je sais pas ce que je dois faire, en fait. Genre, là, j'ai plus d'objectifs. Un lit d'océan rempli de coraux qui se prélasse dorénavant au soleil. Ah oui, parce que... il y a plus vraiment l'océan, ici. C'est quoi, ça? Bonjour, Béatrix. Je m'appelle Hobson Twilger, éleveur, explorateur et ancien propriétaire de ranch, qui est à présent le tien. Ravi de te rencontrer. J'ai été éleveur pendant plus d'années que je ne peux m'en rappeler. Et comme il ne restait en moi qu'une ultime aventure, je suis parti la vivre. Mais avant de m'en aller, je me promets une dernière fois dans cette terre que j'aime tant... Oui, bon, on s'en fout, quoi. Enfin, c'était important. Je sais rien. Je suis parti avant la fin. Ouh, venez ici, les amis. C'est encore des roses, mais il y a d'autres couleurs. Je pense. Il faut les trouver. Ouh, ouh, ouh. Mais est-ce qu'ils sont consentants pour qu'on les enlève? Je suis pas sûr, hein. Pogo fruit. C'est poggers. Ok, très bien. Merci pour les petites carottes. Et donc? Là-bas, il y a un autre passage. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois peut-être les déposer dans un enclos, les slime rose. Pink slime. Piou, piou. Est-ce qu'il y a une limite de taille au truc? Regardez, je les mitraille. Waouh! Mais ils deviennent plus gros ou pas? Je comprends pas, en fait. J'ai pas l'impression. Genre, ils me font des cacas. Et je ramasse leurs cacas. Mais en vrai, j'ai pas l'impression qu'ils deviennent... Mais pourquoi ils ont pas mangé la carotte? Mais manger la carotte. Mais... bon, ok, je les respire, là. Ils sont relous. Oui. C'est parce que je voulais les plortes, les amis. Je deviens violent avec mes petits slimes. Mais mangez, mangez! Ils ont peut-être plus faim. Bon, bah écoutez, ça on peut le déposer, mais... on gagne de l'argent, super. Et il y a encore des trucs! Il y a des poggers fruits. Là on peut aller dans... oui, c'est du vide et je pense qu'on meurt si on y va. Donc on va peut-être éviter d'y aller. Oula, 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 ça va, mais vous êtes pas un peu à l'étroit dans cet enclos? Bon, prenez aussi des pogo fruits. Bon, est-ce que quand je vais revenir, ils vont les avoir mangés? Qu'est-ce qu'on peut faire, là? On peut mettre des trucs dedans, mais on sait pas quoi. Zone d'échange hors ligne. What? Ok, bon, très bien. C'est quoi, ça? Je peux pas y aller! Ah! Comment? Ah, ça coûte de l'argent. C'est quoi? Expansion de ranch? Oui, mais pour l'instant, moi, je... enfin, je sais pas. Il y a un objectif au jeu ou quoi? Pourquoi des fois je cours et après je m'arrête? On a de l'endurance? Ah mais oui, il y a une barre d'endurance en bas. Mais il y a encore plein de... ok. Wow! Mais ils sont gentils ou méchants? On dirait ils sont gentils quand même. En même temps, avec une tête comme ça, ils peuvent être que gentils. Kirby en sueur. Enfin, pas Kirby, mais les ennemis de Kirby en sueur. Wouh! Des petites carottes, encore. J'aime bien les carottes. Bon, j'en ai un peu rien à faire. Voilà, voilà. Mais à un moment, je vais être à la limite. J'aurais récupéré tous les slime roses que je peux. En même temps, je vais pas aller les redéposer à chaque fois que j'en ai trois. Oh, j'ai un poussinou, mais ça, je peux pas les ramasser. Bah non. Bah non. Je peux pas. Ouais, mais on retire le poussinou parce que moi, j'ai dit... mes slimes, elles seront véganes. On ne mange pas de pauvres poulets. Oh, il y a un slime géant. On peut le ramasser. Mais il y a d'autres slimes géants là. Eh, mais il y a des slimes bleus. Vous allez bien? Oh! C'est pas très sympa, ça. Comment on fait? Mais ils perdent leur pic ou pas? Bah non, en fait. Bah non, mais c'est pas gentil. Aïe. Aïe. Bon, on va revenir ici, je pense. Je vais d'abord aller déposer mes petits slimes. Bah attendez, déjà, faudrait que j'ai le max. Ok. Ça doit être 20, je pense. Où sont les autres? Il y en avait plein là-bas. J'ai plus d'endurance. Eh, mais ça part trop vite, l'endurance. Salut! Vous allez bien? Ok, c'est bon, je suis au max. Et là, les carottes. Ah bah non, mais elles ont pas repoussé. En même temps, ça ne repousse pas en 5 minutes, les carottes Kirbendo, voyons. Alors, alors. Les petits slim roses. Slim. Des slim! C'est des slim roses! Mais je comprends pas bien, en fait. Ok.
Mais attendez, mais c'est relou, parce qu'une fois de plus, ça va être compliqué de récupérer tous les plortes. Mais oui! Si regardez, ils font n'importe quoi, ces slimes! Ouais, vas-y, c'est bon, vous récupérez ce qu'il faut. Bah non! Si regardez, ils me font bugger! Oh, oh, encore, encore, merci. Et y a-t-il un moyen plus efficace de récupérer les... Ah mais non, mais je peux plus avoir de plortes. J'en ai déjà trop. Bon. Les plortes, ils disparaissent ou pas? On peut pas envoyer tout d'un coup? Attendez, mais j'ai un message en haut. Comment on fait? Oh, il y a une lettre. Comment fais-je? Et ça, c'est ma maison? Ah. Étoile mail. D'accord. Dormir jusqu'au matin. Qu'est-ce qui se passe quand on dort jusqu'au matin? Attendez. Vivons tout ça. Si on dormait jusqu'au matin, voir s'il s'est passé un truc avec nos slimes. Vas-y, dormir jusqu'au matin. Ah mais ils sont là mes mails. Je me disais que j'avais des messages. Alors, debout là-dedans. Très bien. La société... C'est... Ok, très bien. Merci. Voilà, et donc... Oh, mais il y a un nouveau truc qui s'est ouvert. Ça n'existait pas ça hier. Non, 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 les... Non! Je veux les plôtres. C'est compliqué de les ramasser, hein. C'est bon? Les slimes. Vas-y, sortez, sortez, sortez. Mais il y en a qui sont réapparus ici, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et en plus, ils chient des plôtres à côté de chez moi. C'est pas bien, ça. Mais attendez, mais ils vont sortir... Mais quoi? C'est qu'ils sortent de l'enclos ou quoi? Comment ça se fait qu'il y en avait plein dehors? Mais pourquoi il y a des plôtres à côté? C'est bizarre. Non, on dirait qu'ils peuvent pas quitter l'enclos. Allez, mangez une poule. Normalement, je vous donne pas de poule, mais là, j'ai envie. Voilà. C'est... On est dimanche, et donc c'est le jour des poules. En plus, on n'est même pas dimanche. Ni quand je tourne cette vidéo, ni quand elle sort. Donc voilà. Non, mais il y a encore un passage ici aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le labo. Démarrer une carrière de simologue amateur et sans permis. Sans permis? Ça me permet pas... Enfin, ça me paraît pas... Génial, quand même. Ça me paraît pas très safe, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? La grotte. En fait, c'est pas nouveau. Donc, en fait, je dois juste gagner de l'argent, là, les premiers jours. C'est ça, en fait, qu'on fait. Et après, je peux me développer et faire d'autres trucs. Ça, on peut pas l'activer. Bah oui, c'est la zone d'échange en ligne. Je ne sais pas ce que c'est. Et comment on récupère les bleus, là? Il y en a plein des bleus. Oh, un arbre sur le mur. Salut, salut. Oh, des poules. Et si je jette des poules sur les bleus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont devenir mes amis? C'est par où les bleus? C'était par là. Voyons voir. Salut. Ah. Ah. Et toi là. Ah. Oh, oh, bah il est content. D'accord, c'est quoi ça? Un plortre rocheux? Ah, parce que j'ai nourri quand même le slime, donc il m'a donné un truc, mais... Par contre, il veut pas être mon ami. Ça, c'est un plortre rocheux? Bah ouais, encore un... Non! Mais arrêtez! Mais arrêtez! Mais pourquoi vous m'attaquez? I am your friends! I come in peace! Ok... C'est difficile d'avoir les plortes rocheux. Oula, oula, laissez-moi, laissez-moi. Voilà, pourquoi il m'attaque alors que je suis si gentil? Tout ce réseau de grottes s'est effondré de l'intérieur lorsque je l'ai découvert pour la première fois. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi grincheux là-haut. Ils n'ont rien mangé depuis un bail, quoi qu'il en soit. Ne les laisse pas se transformer en repas. Amène un peu de nourriture pour les calmer. Mais non, il suffit de passer comme ça et ils m'oublient. Regardez, ils m'ont même pas vu. Qu'est-ce que... Oh! Mais non! Les plotres! Oula, attendez, quoi? Mais... on peut pas les aspirer? Je crois pas, hein. Mais en fait, ils m'ont pas fait de dégâts. Quoi? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça a l'air très méchant. En fait, ils m'explosent dessus, ces rats. Vas-y, non! Mince, j'envoie mes plôtres. Mes plôtres. Mes plôtres. Laissez-moi, laissez-moi! Non! Ok, ok, ok. Mais j'ai peut-être pas le niveau d'être dans ce genre d'endroit, en fait. C'est peut-être ça, le souci. Quoi?
s'ouvre uniquement avec une clé des slimes. Mais c'est les slimes qui font tout ici. Sans eux, on peut rien faire, on peut pas progresser. Bon, on s'en va. Ah ! Oh, mais attendez. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. Toi, je peux en prendre un. Non, je vais en prendre un. Et ensuite, je vais le jeter là-dessus. Mais pourquoi il explose pas? Explose, mon ref. Pourquoi t'exploses pas là-dessus? Bon, d'accord, ok, ça ne sert à rien. Je ne comprends pas bien comment on les tue. Je pense qu'il faut pas les tuer. C'est tout. C'est parce qu'on come in peace. C'est quoi, ça? C'est une map. Où est mon campement? Là? Je crois que ça doit être là. Ok, très bien. C'est avec M qu'on accède à la carte. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu fais là, petit? Reste pas tout seul, vas-y. Tu vas rejoindre ma famille. Là-bas, il y a un énorme slime. Merci pour l'argent. Ok, en fait, les slimes, c'est mes abonnés. Et les plorts, c'est la YouTube money. C'est ça, en fait. C'est une allégorie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une allégorie? Ben, moi, en vrai, je sais pas trop. Bah, je savais, mais je pourrais pas le décrire. Donc c'est très utile, en fait. Ah, j'ai le max de plot. Quoi? Pourquoi le sol, il fait pipi? D'accord, est-ce que je peux récupérer encore des plotres roses? Ben non, mais pourquoi? Bon, je vais déposer tout ça. Et après, il y a un endroit au loin auquel je voudrais aller. Genre là. Parce que lui, il a pas l'air d'avoir de pique sur lui. Donc on va y aller, on va y aller. Ça donne que 8 par 8, c'est pas beaucoup. Ah, 23 par 23, ça c'est un peu mieux. Mais bon, ça va être compliqué quand même de récupérer assez. Hein. Bon, bon, bon. Ok, c'est bon. Comment je vais remonter? Va par là. Lui, il a pas de pique sur lui. Donc on peut sûrement le capturer. Oh, merci pour la nourriture. Poggers. On peut avoir des champignons? Non, on peut pas les prendre. Salut! Ouais, donc. Personne ne sait. Comment ça? Il y a un truc secret là-haut? Ou genre juste je vais à un endroit où je devrais pas aller? Faut peut-être le nourrir de fou lui en fait. Faut peut-être lui donner plein à bouffer et après il sera content. Sauf que j'avais plus grand chose à bouffer, je suis désolé mon gros. Mais on reviendra un jour peut-être. Mais pourquoi on le capture pas? Moi, je vais le mettre dans mon zoo. Salut! Vous allez bien? Oh, merci. Ah, bah oui, mais des poussins, c'est pas génial. Les pauvres poussins, ils ont rien fait. Mais ils sont carnivores, les slimes. C'est pas... Enfin, ça me théorise un peu, hein. Ils ont quand même beaucoup en commun avec les animatroniques de FNAF. Un peu trop à mon goût. C'est quoi, ça? Il y a de l'or dedans! Oh, c'est quoi, ça? On peut pas interagir avec tout ça. C'est juste que j'ai pas encore les objets qu'il faut. Alors, il y a clairement des trucs en bas. Hein. En même temps, c'est vrai que j'ai une map. Hein. Mais j'ai pas envie de regarder. Oh, oh, des chats! Oh! Des slime chats! Mais non, on veut pas ça! Nous, on veut des slime chats. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Wow! Comment il a fait pour devenir comme ça, lui? Viens, viens, viens. Je peux pas le capturer? Mais pourquoi? En tout cas, moi, je veux des slimes tigrés, j'en veux plein. Mais, ouais. Mais en fait, je vous avoue que quand vous m'aviez demandé de jouer à ce jeu, bah, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Quoi? Mais il se transforme en chat! Comment il se transforme en chat? En tout cas, ça me paraît pas génial. Eh, mais c'est un cube, ça! Arrête! Mais laisse-moi, je veux le cube! Il est où? Mais il est là-haut maintenant. Pas génial, ça. Pauvre de moi. Mais je le veux, je le veux! Ok, on remonte, on remonte. Oh! Un petit poussidour rocailleux. C'est pas la même chose. Bon, vas-y. Arrêtez les poussinous. Moi, je veux des poussinous rocailleux maintenant. J'ai changé. Je suis à la dernière mode. Non, mais j'ai trop changé, en fait. C'est ça, mon problème. Waouh! Ok. Aïe! Merci. Alors,
S'il y avait un grand arbre comme celui-ci à l'orée de ma propriété sur Terre, il était là depuis très longtemps, il avait survécu à toutes sortes de changements et un jour je me suis aperçu qu'il était en train de mourir. Non mais on s'en moque en fait. C'est surtout ça le problème. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que des frubes? Est-ce que ça transforme les slimes en carrés? Vous imaginez? Une capsule au trésor? Bah, génial, elle est verrouillée, donc je peux rien y faire, mais j'ai quand même trouvé un trésor! Enfin, une capsule. C'est pas vraiment un trésor. Salut! Hein? Encore des trucs rocailleux, là. Poussinou, rocailleux. Non, il me les faut tous! Mais non, mais c'est pas des rocailleux, là! C'est des normaux! Bah oui, c'est ceux que j'ai jetés tout à l'heure! Faisons comme si on n'avait rien vu. Bah, il les mange pas? D'accord, ok. Encore un trésor que je peux pas y... avec lequel je peux pas interagir. Oula! Là, ça me dit, n'allez pas par là. N'allez pas par là. Oh, bah si, il y a des frubes. Bon, je peux très bien aller par là. N'ayons pas peur. Mais attendez, mais quoi? Il y avait littéralement rien, alors que là, il y a un panneau qui dit, n'allez pas par là. Bon. Moi, je veux bien aller par là, si au final, bah, il y a rien de méchant. Là bah ça c'est fermé. Faut une clé du slime. Et là-bas il y aura quoi? C'est un cul-de-sac? C'est un cul-de-sac. Faut peut-être que je commence à payer des améliorations et tout ça. Mais en tout cas... M. Bah M! Ah oui mais le bouton M il est pas là sur le QWERTY. Oula! Ah oui je suis sur une zone de la map que je suis... Enfin... J'ai pas encore la map pour... D'accord, bon, retournons à la maison. Mais... Il y a des slim lucioles, attendez. Slim phosphorescent, c'est stylé. Je me disais bien que genre ça ressemblait à des slimes. Vous là, ouais, j'en veux un. Oula. Mais en fait, ils se mangent entre eux, les slimes, c'est comme ça qu'ils arrivent à... Genre avoir des pouvoirs ou je sais pas quoi là. Enfin, genre ils changent de forme et tout. Oh oh. Bon écoutez, les frubes, voilà, on s'en moque. En liberté. Comment ça en liberté? Je ne sais pas, nous ne le saurons jamais. Eh mais ils rebondissent, ils sont trop mignons. Vas-y. Par contre j'ai peur qu'ils m'explosent dessus, donc faisons attention. Alors, on peut pas avoir un autre enclos? C'est quoi ça? Réservoir de l'aspirapa... Oh ça c'est bien. En fait, on peut avoir plein de trucs, c'est cool. Réservoir d'eau? Ah, bah non, non, bah non. 30 unités de ce que vous aspirez. Ouais, vas-y, vas-y. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est surtout avoir de nouveaux... Eh, mais on peut, je pense. Oh! Trop bien! Vous en aurez besoin de la mare. Ha, ha, ha! Super. Vas-y, jardin. Mais attendez, mais pourquoi ça l'active pas? Tirer un fruit ou un légume dans le réceptacle pour en faire pousser plus. Ah mais non, mais c'est pas un jardin qu'il nous fallait. Qu'ai-je fait? Moi, je voulais un truc pour mettre des slimes. Bon, donc on va en refaire un. Et donc là, on peut mettre les slimes tigrés. Voilà. Et les slimes phosphorescents. Trop mignon. Et est-ce qu'ils peuvent s'accoupler? Genre, bah après, ça fait des trucs différents quand il y a des croisements et tout. Bon, en tous les cas, vas-y. Et avant d'aller se coucher et tout. Oh bah, salut. J'aimerais bien quand même. Eh mais attendez, mais il y en a plein qui apparaissent autour. Ok. Salut. Je veux pas des roses, j'en ai déjà trop. Voilà. Donc oui, je vais aller chercher des légumes et des fruits, enfin des trucs comme ça, pour le mettre dans le jardin et voir ce que ça fait. Mais wesh, mais ils sortent de mon enclos ou genre ils arrivent d'ailleurs. Mais non! Il est sorti de mon enclos. C'est ça en fait. C'est ça le problème. Aïe aïe aïe. Alors, il y avait des fruits et tout là, non? Oula, maintenant il y a une musique de nuit. Donc ça fait un peu peur. Hein. Enfin, en tout cas, moi j'ai très peur. Ok, des carottes. Mes frubes, ils les avaient pas ramassés, je crois. Si? Eh ben si, ils me les ont volés en fait. Ah mais non, ils sont là. Mais non, mais c'est pas mes frubes en fait, c'est d'autres trucs. Bon, je crois que quelqu'un a mangé mes frubes. Mais c'est pas très sympa. Je vous enlève. Ah bah j'en ai enlevé qu'un. Wouh! Allez, venez. Mais je sais toujours pas comment on capture les gros. Non. Les fluorescents, on en a déjà. Moi, je veux ça. Voilà, ça rapporte plus d'argent.
Encore un Pogger's Fruit. Merci pour les Pogger's Fruit. Oh, 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 oh. Il faut pas laisser de l'argent. Ça, c'est toujours important. Donc, attendez. Vous avez construit un jardin. Oui. Non, mais je sais, mais attendez, attendez, attendez. Chaque chose en son temps. Eh, mais les volants, ils sortent de l'enclos, en fait. Ils s'envolent au-dessus de l'enclos. C'est pas ce que je voulais, hein. Ici poussent des carottes, mais non en fait. Comment ça, j'ai pas compris. Mais pourquoi ils viennent me voir? Moi je vous aime pas, laissez-moi. What? Et si je fais un autre jardin et que je mets ça? Et comment ça on peut mettre qu'un seul fruit? Enfin je comprends pas. Bon d'accord. Non, vous allez là. Vous, vous restez dans les enclos, ça m'énerve. Qui vous a autorisé à sortir? Clairement pas moi. Mais non, mais pourquoi il y en a plein qui sautent dans tous les sens? Mais attendez, mais ils sortent encore de leur enclos. Quoi? Mais c'est pas bien ça. Voilà, tout l'argent que je vais perdre. Ok, super. Et donc, bon, bah on peut mettre aussi... Mais c'est parce qu'en fait, on dirait qu'ils veulent jouer ensemble. Ils veulent se rassembler pour jouer ensemble. Ok, merci. Non! Tu restes là. Voilà. Mais il... Ils se sont absorbés entre eux encore. Mais c'est pas sympa ça. What? Mais arrêtez. Arrêtez, pitié. C'est pas cool ce que vous faites. Pourquoi vous vous mangez entre vous? Mais non. Et en plus ils sortent de chez eux. Qui les a autorisés? Mais pas moi, mais je vous le dis moi. Et mais vraiment c'est des rats hein. Voilà, très bien, restez là. Mais non, mais je vais pas passer la nuit. Allez, remets. Mais non, mais c'est chez moi, là. Mais ils sont sérieux. Et mais ils me saoulent, là. Vas-y, et... Beaucoup d'argent. Oh, marchand des plortes. De plortes, ok. Bon, et bien, les amis, nous, on va rester là pour cette vidéo sur Slam Rancher. Et je dois vous avouer que je n'ai pas tout à fait compris, en fait. Je sais pas ce que je dois faire. Je comprends pas ce qui se passe et pourquoi ils s'en vont de leur enclos. Bon, si vous avez des informations à me dire sur le jeu, eh bien, dites-le dans les commentaires parce que je suis un peu perdu. Je sais pas si j'ai aimé ou pas parce que bah, c'est drôle, mais je sais pas trop où ça nous mène, tout ça. Dans tous les cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Joyeux Noël à vous, à nouveau. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !